Attention, 3, 2, 1... Oh, il y a une étoile! J'ai vu l'étoile! Oh! Ah, Willy! Comment ça va, mes petites truites? On se retrouve pour un nouveau live! Et on va les découvrir ensemble sur ce live. Salut à toutes les truites et truitesses. Je vais essayer un jeu que beaucoup de monde m'a demandé. J'en peux plus. Joue à Mario Kart. Joue à Mario Kart, que ce soit sur Twitter, sur Insta, en commentaire, en vidéo. Je me suis dit, bah les gars, on va se faire ce petit live ensemble. Pas vraiment découvert, parce que vous allez voir que j'ai quand même pas mal farmé ce jeu. J'ai pas mal avancé comme... Enfin, pas mal avancé. Je suis seulement niveau 6. Petit overlay, pas piqué des hannetons. J'espère qu'il vous plaît, le petit overlay. 53 gemmes. C'est 53 gemmes. C'est des gemmes free to play. Je n'ai pas mis 1 euro sur le jeu. On va mettre 16 euros ensemble. J'ai aussi regardé, comme vous le voyez, des petits cadeaux à récupérer. À savoir que j'en ai récupéré un par accident, mais ça me les a tous récupérés à ce que je vois. Donc j'ai eu le vaisseau. Après c'était le parachute. Il y a un pass or qui existe. Donc un pass de combat qui existe. Bah c'est parti les gars. On va commencer direct les gars. On perd pas de temps. On commence par quoi? Faire le pigeon. On achète. Ça marche nickel les gars. L'achat qui a été effectué. Mais oui monsieur. Ah oui, le pass or est débloqué. Donc c'est que le début. Alors on récupère 100 pièces. Ok, des points de l'aile, 5 rubis, 300 pièces, 3 rubis, 5 tickets d'objets. Alors ça je les utilise pas du tout. On a 3 autres rubis, encore des tickets d'objets. J'ai un vaisseau tout en or les gars. Le ploups d'or, je connais pas du tout. C'est le vaisseau un peu du petit fantôme. Prolonge encore l'effet du mini turbo pour plus de points d'action. Oh, c'est nice ça. 3 rubis, un ticket presto. Et voilà le résumé de récompense. Putain, il est plutôt sympa. Le pass de combat, il est acheté. Du coup, j'ai une récompense à aller chercher. Elle est où? Ah, ça me la récupère automatiquement. Du coup, bon, bah la prochaine, c'est dans 9 étoiles. Objectif, récupérer la prochaine. Là, ce qu'on va faire, maintenant mes petites tweets, on va déglinguer le store boutique. Et ce que j'ai envie de commencer par faire, on va acheter des gemmes. 135, je pense que ça fait le taf. Et je passe à plus de 200 gemmes. Je pense que c'est énorme. D'habitude, je suis habitué à des milliers de gemmes hein, sur les jeux Supercell. Là, 79 euros, il te file 135 gemmes. C'est genre une poignée de gemmes, tu vois. Du coup, je me retrouve avec 202 gemmes. Je vais vous remontrer un peu ce que j'ai. Parce que vous êtes en mode pigeon, pigeon, pigeon. Le pigeon, actuellement, il a absolument rien. Il a une petite tortue, Koopa. J'allais dire Koopa, Koopa. C'est Koopa tout court. J'ai Peach et j'ai le petit Todd. Todd, qui était un de mes... perso, j'allais dire un de mes brawlers. On peut le dire, on peut le dire. Un de mes brawlers préférés sur Mario Kart. Du coup, les amis, quand on n'a rien, on fait quoi? Là, on va partir du principe que les 45 premières gemmes, c'est free parce que j'en ai 65. Pour 21 euros, attendez, boutique. On va regarder le prix des gemmes. Oh, il y a un kart ici avec des pièces. On a le planeur. Oh, bébé Mario! Et j'ai 972! Et coûte 800 pièces! Je peux débloquer Baba Mario. Bébé Mario, Baby Mario. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on débloque bébé Mario? Est-ce que ça vaut le coup? On me dit non, fais pas ça, non. Ok. Donc on ne l'achète pas, je l'aurai dans un tuyau. Ok, bon bah c'est parti, hein. Les gars, vous êtes chauds? On va aller sucer notre premier tuyau. Et j'espère qu'il sera en or. Si le premier tuyau sucé, il est en or, faut que je fasse un truc, les gars. En gros, je vous explique. Vous pouvez avoir ou un tuyau vert ou un tuyau en or. Je vous montre. On va prendre un tuyau à 1, tu vois. Genre, il y a juste un tuyau. Là, on a juste un tir, donc on va avoir seulement un objet. Et vous allez voir la couleur du tuyau. Il est vert. Là, pour le coup, choqué, déçu. Il est totalement vert. Il est totalement dégueulasse. On ne veut pas ça. J'ai pas envie de sucer des tuyaux verts. J'ai envie de sucer des tuyaux en or. Du coup, on l'ouvre. Et bah on espère que celui à 10 sera en or les gars. Ok, je débloque le parachute, je crois que je ne l'avais pas les gars. Nouveau, ok. Du coup les amis, premier tuyau, on va acheter 10 tirs à 45 gemmes. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on a un tir à 5 gemmes. Et surtout si le tuyau est en or, ils sont tous en or. Attention, 3, 2, 1, ouverture. S'il te plaît, sois en or, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon ben, premier tuyau qui est totalement vert, ben, choqué, déçu. Allez, on va le sucer. Lâche-nous de l'item rare, on espère. Attention, premier item, il y aura 10 items. Pépé, t'es ici. Bulle, défendez-vous et profitez de la balade dans votre bulle. Mais gare, elle éclate soudainement. Note sur 10 pour bébé Daisy, d'ailleurs, en commentaire. Petite question pour vous. Quel est votre personnage préféré sur Mario Kart Tour? Quel est le plus puissant et votre préféré? Faites-moi péter cet espace commentaire. Ok, nice, on valide. On enchaîne. Deuxième ouverture. 3, 2, 1.
Oh, un autre bébé, bébé Peach. On enchaîne. Prochain pack opening. Oh, le pile. Boom, départ turbo. Prolonge l'effet du départ turbo pour plus de points d'action. Ça, on achète les amis. On enchaîne avec le suivant. Attention, 3, 2, 1. Oh, non, 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 non. Ça, c'est nul. Il paraît que c'est totalement nul. Ok, allez, on enchaîne. Prochain item. Oh, bébé Daisy, on l'a déjà. Ok, on va l'améliorer du coup. Oh, le turbo rub. On enchaîne. Oh, je l'ai déjà, le coupa bolide. On va pouvoir l'améliorer. Ça, c'est nice, le coupa bolide. Oh, le nouveau véhicule champignon, les amis. Prolonge l'accélération après une figure pour plus de points d'action. Prochain item. C'est que des items nuls, hein. Le parachute. Ok, 1 sur 2, on l'avait déjà. Oh, je l'avais. Je l'avais. C'est le véhicule que je joue le plus. D'ailleurs, je joue quasiment que celui-là. Et le résumé qui est là. Regardez-moi ce résumé dégueulasse. Aucune ultra rare. Les amis, ça veut dire quoi? Qu'on va sucer un nouveau tuyau, s'il te plaît. S'il te plaît, récale-nous. 3, 2, 1. Oh! Le tuyau, il est en or! Yeah! On a bien sucé le tuyau, il est en or! Putain, je me suis éclaté la tête tout seul à crier trop fort. Je lui ai fait un suçage parfait, je lui ai fait. Et hop, en or. C'est la petite technique, les gars. Vous faites ça, il est en or. Maintenant, on veut du très très lourd dans ce tuyau en or. C'est parti. Premier item. La rafale de disque qui est partie. Et le premier item qui est... C'est le début. Le tuyau, il s'échauffe tranquillement. On a un petit parapente. Attention, le deuxième. Oh non, non. Enfin, oui, oui, il était au shop. Je l'avais pas, je crois que je l'avais. Yes, les gars. Ouais, c'est cool, mais on veut du lourd, là. On veut du lourd, c'est un tuyau en or. Attention, 3, 2, 1. Oh, il y a une étoile. J'ai vu l'étoile. Oh, Pauline, on l'a débloqué du premier coup, les gars. À tous, 7 objets entourent vos cartes. Touchez l'écran une fois pour tous les utiliser. What the fuck. On enchaîne le pack opening. Attention. 3, 2, 1. L'item suivant. Oh, le Skullerex. Le Skullerex avec 3 carapaces vertes qui gravitent autour du kart. On valide le petit Skullerex. Il est pas mal. Ok, on enchaîne sur le suivant. Le Skullerex, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. On veut du rare ou de l'ultra rare. Coba Bolide. Niveau 2, ça c'est bien. Nice. Point d'action x 1,05. On enchaîne. Oh, BBDC qui va passer de niveau 2. Nice. Ok, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de payer. Comme dans les jeux Supercell, les amis. Là, les brawlers, ils s'améliorent tout seuls. Quelque chose de cool, c'est quelque chose de cool. Du coup, à quoi servent les pièces? Je ne sais pas. Oh, ce que... Je viens de l'avoir. Vas-y, on veut de l'or, du rare, ultra rare, c'est un tuyau en or. Oh, l'aile standard qui va passer de niveau 2. On prend. Niveau supérieur. On prend, les gars, c'est un niveau supérieur. Item suivant. Parapente. C'est pas terrible, ça. Quoique, on le passe de niveau supérieur. À partir du moment où on passe de niveau supérieur, c'est ok. Par contre, 5 pour le niveau suivant. Le turbo ruban également. De niveau 2, point d'action x 1,05. On enchaîne. C'est déjà fini. Non, ça va tellement vite, les gars. Les 10 tuyaux, c'est allé tellement vite. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh. Élever une capacité de pilote de kart ou d'aile niveau 2. Nice. Oh, j'ai gagné des gemmes. Oh. Ok. Une gemme. C'est vrai qu'une gemme, ça vaut cher ici. Bon, allez, vous êtes chaud pour ce dernier tuyau? Enfin, ce dernier tuyau. Il y en a 10. Allez, c'est parti pour le tuyau d'une vie. Attention, 3, 2, 1. Oh non, il est vert. Il est totalement vert. Il est dégueulasse, les amis. Mais on peut quand même avoir des choses très sympathiques dedans. Donc, s'il te plaît, Mario Kart, régale-nous. C'est parti. On commence avec... Oh, ça, on prend le Bilboom qu'on va bientôt pouvoir passer de niveau 2. Koopa, c'est nul. Oh, Bowser, les gars, Bowser. Yes, on débloque Bowser avec carapace de Bowser. Balancez cette carapace acérée droit devant pour disperser vos adversaires. On enchaîne le pack opening. Oh, turbo ruban. Oh, Mascas que je n'avais absolument pas. Et on enchaîne. Oh, bébé Mario. Ah, et boom de niveau 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le petit bit boom de niveau 2.
Donkey Kong, yes. Donkey Kong qui est débloqué, un perso rare. Et on termine avec, je crois que c'est le dernier. Un petit parachute. Deux niveaux supérieurs. Nice. Et c'est pas fini. Quand il y en a plus, il y en a encore. Bébé Daisy, qui était déjà du niveau 2. Et le résumé, qui est là. Ça va, c'est honnête, sincèrement c'est honnête. Et du coup mes petites truites, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, bombardez-moi cette barre de pouces bleus. Si on atteint les 5000, on se refera une petite vidéo Mario Kart avec au programme du pack opening, un peu de gameplay et découverte aussi du prochain pass de combat, plus le mode multijoueur. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.